Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu, je parle en haché, sur le jeu Shadowbug. Alors, j'ai pris un screen de la page Steam parce que je peux pas forcément bien revenir. Alors, oula. Alors Shadowbug, c'est un jeu sorti le 21 juillet 2017, développé et édité par Muro Studios. Je vous mets le lien Steam dans la description, il est à 4,99€. Dans le style, c'est un jeu dépendant, dans le style action-aventure platformer en 2D, avec un style graphique un peu ombré, ombragé, je sais pas trop comment définir ça, qui est sympa. J'ai pas fait du tout plus d'une minute, c'est juste pour voir si ça marchait, mais je peux peut-être redémarrer 2-3 trucs. Attends, alors, attendez, avant toute chose. Voilà, je baisse un peu le son parce que en général, au niveau de la capture, ça fait n'importe quoi, j'espère que vous avez entendu l'intro, sinon... Ah bah tant pis, j'ai pas envie de la refaire, lol. Commencement, voilà, en 28 secondes précisément. Voilà, c'était gratuit. Vous êtes bien sur la chaîne du bon goût et de l'humour, n'est-ce pas? Du coup, ça fait un petit tuto, donc voilà comment ça se présente. D pour marcher, enfin pour aller à droite. A pour aller à gauche. Et on déplace genre, je sais pas, la fée dans le Zelda, je sais plus comment ça s'appelle... J'ai un vieux trou de mémoire de merde, bon bref. Et du coup, qui peut nous ouvrir des passages et qui peut aussi attaquer en mode ninja. Voilà. C'est ça qui est assez cool niveau. Le jeu est assez dynamique là-dessus. Oh, j'ai fait ça encore moins longtemps, j'ai l'impression. Non. Je sais pas. Mais en gros, voilà la base du jeu. Enfin, je sais pas, j'ai pas été plus loin. Donc, c'est aussi une découverte. Pour une fois, je parle très vite là. Pour une fois, c'est une vraie découverte où je découvre le jeu parce que la plupart du temps, c'est moi qui vous présente le jeu. Or là, c'est grand mystère. Oh, c'est stylé. Je ne tiens pas d'autres touches, notamment ils nous feront. Ils donneront le tuto. Oh, on peut récupérer des sortes de boules. Ah merde! Je suis mort sur les épines. J'avais pas vu. Ouais, du coup, on avance, genre, on franchit les obstacles. En tuant les ennemis. Parce que là tout va bien. Hop là. Bim. En fait ils sortent par les tuyaux, ok j'avais pas fait gaffe. Ouais niveau graphisme c'est assez joli. La patte graphique aussi est pas mal. Alors on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Kill 5 enemies in a row. Attends, j'ai loupé lui. Ouh. Allez, boum. Ok, il y en a d'autres là. Non, on récupère pas mal de points. New record. Oui, il a fait ses navis dans Zelda. Watch out. Hey, watch out. Boum. 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 J'aime bien moi les gameplays à la souris. Voilà. J'aime bien aussi les noix de cajou, si pour ceux qui sont intéressés. Vous voyez, tu sais, en convention, les youtubeurs, ils se font offrir des cadeaux, genre des jeux des fois carrément, ou des trucs qui sont quand même assez genre coûteux. Et ben moi, j'aimerais bien qu'on m'offre des noix de cajou. Si un jour j'ai une convention. Je veux pas faire de convention, hein, je préviens tout de suite. Ouah, ouah, ouah. Hop là. Je vais pas faire de convention et je veux encore moins qu'on m'offre des trucs. Enfin si, c'est toujours sympa de se faire offrir pour faire plaisir. Mais pas dans le genre parce que je suis... Ah bref, pas, je veux pas. J'aime pas du tout... J'aime pas vraiment genre les youtubeurs qui font des conventions et tout. Enfin, pas qu'ils la font, mais... Merde, ah merde. Il y a un petit peu tout ce qui est autour. Hop, hop. Et bon, encore en plus, quand ils se font offrir des trucs, enfin bref. Là n'est pas le débat. On est sur la chaîne du bon goût et de l'humour, n'est-ce pas? Et là, on enchaîne le skill. C'est vraiment stylé, ouais, du coup, il y a vraiment une certaine dynamique. Qui est vraiment sympa. C'est assez simple, là, pour l'instant. Il y a des obstacles, mais bon, ça reste sommaire. La fête des tuyaux. Mais c'est sympa, il y a une certaine dynamique, voilà. Qui nous fait accrocher. Ah, j'ai loupé un. Ou alors je crois que j'en ai fait un trop tôt. Il a pas eu le temps de se propulser assez haut pour que moi je m'y...
Voilà. Ah purée, faut le bien viser. Ouh. Oh là, c'est chaud. Ouh. Pas mal. Ah. Oh non. La déception d'un homme. Du coup, j'ai pas le temps de voir l'animation de mon petit. De mon petit insecte, parce que Shadowbug, c'est ça, c'est un petit insecte. Mais je suis sûr que c'est pas mal. Je suis sûr que la vidéo, ça rend bien. J'ai juste pas l'occasion de le voir. Moi, je me concentre plus sur mon objectif, genre sur. Vers l'avant, genre où est-ce que là mon bonhomme va taper et non pas sur ce qu'il fait. Et oui. Donc, c'est bien joué de mettre des jolies animations, mais sauf que moi, je les vois pas en fait. Du coup. Hop. Ah merde, le con. Take. Take. Je me concentre. Oui, mais du coup après je vais... Ah oui, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Voilà. Alors du coup, c'est assez marrant parce que... Oh, il est bloqué. Moi aussi du coup. C'est marrant parce que là, on avance vraiment... Genre, on avance avec A et D, mais sinon pour sauter, voilà, pour vraiment franchir les obstacles, il faut obligatoirement éliminer les ennemis. Et oh là. Et ça, c'est sympa, je trouve. Ça passe. Du coup, les ennemis nous attaquent pas, en fait. Ils sont juste là. Il faut juste pas rebondir dessus. Il faut juste arrêter de dire juste. 36 000 fois en une seule phrase. Ah, les ennemis sont là et faut pas, voilà, faut pas leur tomber dessus. Ok, je suppose qu'il fallait là. Ok. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je sais pas si la musique l'entend bien, mais ça fait un peu musique genre de plateau de télé, genre jeu à gagner et tout. Voilà. Tout simplement. La marche. Ok, ben bah on va pas faire ça, puis peut-être que je vais m'arrêter parce que... Bah parce que je peux aussi vous laisser la surprise, on enchaîne. White Axe appear. Alors, on dirait qu'ils attaquent. Oula. Oh non. Chou, chou, chou. Allez, mais purée. Ah. Ma souris est pas top niveau visée. Enfin, genre, je me suis fait toucher. Ouais, je vais peut-être pas forcément aller plus loin après. Parce que, bon, bah, c'est sympa, mais voilà. Le mec. Ouais, 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 ouais. Ouh, ouh, ça passe. Et puis, bah, du coup, voilà, tout simplement, en fait. J'ai envie d'arrêter. Je vais pas forcément donner plus de raisons particulières que j'ai envie d'arrêter. C'est dangereux ça. Passe vite, vite. Ok, ça marche aussi. On va déjà essayer de terminer le niveau avant de se dire on va arrêter. Hein. Ça montre ça? Non, mais genre, comment j'étais censé le savoir? Ah là là. Oui, bah oui, tu m'as eu, tu peux refaire le malin. Allez, on se concentre un peu. Je suis pas très pressé à la souris, parce que voilà, ma souris est pas forcément très précise. Je le sentais venir, en plus. Fais chier, j'aime pas... Je suis pas là pour souffrir, ok? Je suis surtout pas là pour essayer 10 000 fois, j'ai pas envie de faire un jeu casse-tête, là. Bon, allez, on va aller en bas, tac, tac. C'est en bas qu'il fallait aller, en tous les cas. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pardon. C'est pas très sympa de se moquer de cette personne en vrai. Mais non. Il faut venir. Ah bordel. Ça passe. Ok. 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 Putain, je sens que je vais pas arriver à ce niveau-là.
Heureusement que j'ai pas la facecam parce que vous me verrez en mode vraiment gros rageux là. Avec des expressions faciales et non pas faciales, ça veut rien dire. Digne des plus grands humoristes. Ça veut strictement rien dire. En fait, je suis à la fois fatigué et content là. Et le mélange est. En fait, je sais pas si je peux atterrir en dessous. Donc, du coup, je me laisse un petit peu. Je laisse une sorte de temps de latence, mais je me fais avoir. Par-dessus le marché, je dis de la merde alors. Allez, boum! Qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui s'échec avec sa machine là. Oh! 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 Bam, 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 bam! Yeah! Triple kill! Oula, 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 oula! Oula, genre boss! Non? Ça sentait le boss. Ça sent le boss. Comment je suis censé. Genre, il faut l'éviter. Putain. Oh non, mais c'est quoi ça? Ok, d'accord, il faut se servir des deux piafs. Enfin, je pense. Mais je le fais! Voilà, boum! Par contre, c'est tendu, hein. Enfin, c'est sympa comme idée de gameplay, mais. Oh là, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. C'est sympa comme idée, du coup, là. Non! Me dis pas qu'il faut que je recommence du. Putain, je sens que je vais pas le faire en entier, ça, parce que. Ça va me casser le cul. Ok. Hop, voilà. Ok, il arrive par là. Ok, bon, je l'ai pas touché, mais c'est pas grave. Toujours pas, c'est pas grave. Putain, il est plus rapide, j'ai l'impression. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, j'aime pas ça. Ok, j'arrête. Ça vient. Alors, il y a une carte. Oh, regardez une carte. Ouais, non, c'est chiant. Enfin, non, c'est cool, mais. Ah merde, non, le con! Oh non, quel nul! Oh, ça refait au début. Bon, bah, raison de plus. C'est quoi ça? Ah, genre, c'est le temps que j'ai joué? Non. Je sais pas. Toujours est-il que. On va revenir au menu. Ah bah non, ça a coupé le jeu, lol. Mais c'est pas grave. Du coup, bah. Voilà, je m'arrête là. Tout simplement, le jeu est quitté. C'est sympa. Hein. Il faut une maîtrise. Je pense que le boss, je peux l'avoir. Enfin, je sais pas s'il est long ou pas. Mais c'est sympa. Hein. Après, j'ai pas été genre à fond dedans. Mais c'est sympa. Donc je vous le recommande, il est à 5 euros sur Steam, je vous mets le lien dans la description. C'était Shadowbug, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!